Mais là, dis-moi. Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui comme vidéo, je vais vous parler d'un sujet que j'adore. Genre un petit peu, assez, pas mal, beaucoup, intense. J'aime vraiment ça, ok? Puis j'aime plus ça que les pâtes au beurre avec pas de gâteau vert dessus. J'aime les pâtes au beurre. Ouais, t'as bien compris ça. J'aime ça les pâtes avec du beurre. Juste bien strict. Viens pas me mettre des petites gâteau vert dessus, c'est non. Non. Fait que moi vous dire que je trippe intensément là-dessus. Ouais. Fait qu'aujourd'hui comme vidéo, je vais vous parler des friperies. Qu'il y a beaucoup de monde qui me pose des questions du genre où est-ce que tu vas, quand est-ce que tu y vas, comment tu fais pour trouver les vêtements, comme où est-ce que tu trouves les beaux vêtements des friperies. Parce qu'on va s'entendre que dans les friperies, il faut chercher puis en tabarouette. Parce que tu sais pas à tous les jours qu'on va trouver des merveilles en friperie. Fait que je me suis dit pourquoi pas vous donner mes conseils. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelques-unes de mes trouvailles que j'ai trouvées en friperie. Fait que ça va vous donner comme un petit avant-goût de qu'est-ce que c'est magasiné en friperie et qu'est-ce que vous pouvez trouver. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Mon premier conseil, ça serait d'aller surtout, mais surtout dans la section des garçons et des hommes. Parce que c'est souvent là que les marques du genre Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, bref, c'est souvent là qu'il y a toutes les marques puis les beaux chandails que le monde aime aujourd'hui. Je vous conseille vraiment de faire chacune des rangées puis regarder chacune des grandeurs, même si c'est extra large, parce que des fois, un extra large pourrait fitter en médium. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait peut-être chacune des grandeurs puis des rangées. Mais on s'entend que le côté des femmes, c'est jamais wow. Mais des fois, on peut trouver des belles trouvailles. Comme j'en ai trouvé quelques-unes du côté des femmes. Donc, je vais vous les montrer plus tard dans la vidéo. Si vous avez pas beaucoup de temps à consacrer, mettons, dans une journée, ben, je vous conseille principalement d'aller dans la section des hommes. Mon deuxième conseil, ça serait de prendre son temps. Ouais, ok, c'est pas tout le monde qui va aimer ça, prendre son temps, parce que c'est pas tout le monde qui est patient, comme je suis la fille la moins patiente du monde, genre vraiment. Surtout quand je suis dans ma fin de mois. Mais bon, moi je vous conseille vraiment de consacrer une partie de ta journée ou la journée au complet si vous voulez, là-bas. Parce que c'est pas en 15 minutes que tu peux trouver du Adidas puis du Nike. Il faut vraiment chercher puis prendre son temps. Mon troisième conseil, ça serait d'essayer toutes, mais je dis bien toutes vos vêtements, sans aucune exception. Pourquoi? Ben parce que premièrement, ça va vous faire éviter d'acheter des chandails pour rien. Même si ça coûte pas cher, mais à un moment donné, c'est parce que quand il y a trop de vêtements pis que ça traîne, ben c'est inutile d'en avoir trop. Fait que achetez-le pas pour rien. Essayez-les, genre. Aussi, ça permet aussi de savoir si la qualité est présente. Parce que soit que le pull, c'est pas confortable, il pique, soit que le chandail, il vous fait pas bien, la coupure est pas belle. Bref, prenez vraiment le temps d'essayer les vêtements. Mon quatrième conseil, ça serait de pas se décourager. Oh oui, là pourquoi? T'sais, on n'est pas dans un truc de vie où il faut avoir confiance pour pas se décourager. Non, ok? Faut pas se décourager parce que c'est pas en une fois que tu vas retrouver tous tes vêtements que tu veux, genre toutes les marques que tu veux du monde. Non, il faut y aller vraiment souvent. Mon cinquième et dernier conseil, ça serait de oser. Ouais, ok? Parce que je trouve que les friperies, c'est comme la place parfaite pour découvrir puis essayer des nouveaux styles. Parce qu'on va s'entendre que 3$, oui, tantôt je vous ai dit de pas gaspiller votre argent, mais quand t'aimes le chandail, mais qu'il est juste 3$ à la place de, mettons, je sais pas moi, 80$, mais que c'est un style différent puis que t'aimes ça, ben pourquoi pas? C'est vraiment la place pour essayer des nouvelles affaires. Donc maintenant, je vais passer à la partie des vêtements que j'ai trouvé en friperie. Ça sera pas une partie avec un try-on parce que j'aime mieux vous les montrer vite de même. Mais si vous voulez un haul de tous mes vêtements de friperie avec un try-on, ben vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Tellement pas bonne pour montrer les vêtements, je suis vraiment désolée, ok? Je suis pas une beauty guru, vous allez le comprendre. Donc, le premier vêtement, c'est un Tommy Hilfiger kaki.
avec le logo vintage. Je sais pas s'il va faire le focus, ma caméra. Puis il est fait vraiment long, fait que je le porte soit à la danse ou en pyjama. Bref, on va passer au prochain vêtement. Le prochain vêtement, c'est un chandail que j'ai trouvé dans la section des femmes, mais que j'ai coupé parce que je le trouvais un petit peu trop long. T'sais, je voulais un style différent parce que j'ai beaucoup de chandails qui sont faits longs puis très grands. Donc celui-là, j'ai fait différemment. Je l'ai coupé un peu puis c'est avec mon amie Ariane. C'est un chandail bleu avec des lignes, comme vous pouvez voir. Puis il est fait long, mais il est pas trop court. Genre, je voulais comme pas un crop top, mais je voulais comme un chandail qui serait beau avec des pantalons taille haute, mais qui cacherait un peu ma bédaine. Parce que je trouve ça un petit peu malaisant maintenant, les crop top, qu'on montre toute la bédaine, là. Fait que bref. Puis, je pense qu'il m'a coûté comme 2$. Fait que, why not? Donc, ce chandail-là aussi, je l'ai coupé parce que je le trouvais vraiment trop long. Mon chandail, c'est un Gucci. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Je sais pas trop c'est quelle couleur, c'est comme un genre de menthe. Sa caméra, il a l'air un peu comme blanc, je sais pas trop là, mais c'est un menthe pâle là. Il me le fallait ce chandail là, fait que je l'ai pris. Passons au prochain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci. Donc le prochain morceau, c'est un pull. Et ce pull là, c'est un Ralph Lauren. C'est pas un bleu flash comme qui est à la caméra, c'est comme un bleu ciel, un bleu comme... gris, je sais pas trop là, ma caméra il paraît vraiment flash là. Et il y a le petit logo ici de Ralph Lauren. Bref, je l'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc c'est pas mal ça qui conclut ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que ça vous a donné le goût de vous aussi magasiner en friperie. Donc nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!